Salut! Bonsoir. Oula, il y a du... ça résonne là. Allô, nous sommes partis actuellement pour l'épisode 4 de Pokémon Rouge Feu. Alors, le vote a été de capturer bien sûr un Miaouss. Mais j'ai fait le con parce que j'avais oublié qu'en fait pour pouvoir passer capturer Miaouss, donc c'est en bas, il faut d'abord aller voir Léo, je crois, non? Soit aller voir Léo, soit niquer la reine. Bon, j'ai fait le con, je m'excuse d'avance, j'ai oublié qu'il allait faire ça. Ne vous inquiétez pas, j'irai capturer Miaouss. Et quand j'irai capturer Miaouss, du coup, on ira enlever Rattata. Parce que je veux pas de Pokémon du même type. Ok, donc autant vous dire que remplacer Miaouss remplacer Rattata par Miaouss, c'est de la grosse enculade. Hein. Hein. Là, je me fais plutôt niquer la tronche. Bon, c'est vachement bien, j'adore. J'aime beaucoup ce que vous faites pour moi, les gars, c'est super cool. On avait réussi le pont. Oh, le pont, on l'avait rush de ouf. Hein. Je remercie mon accéléré qui m'aide à faire des trucs quand même. J'ai Corbuldo. Hop, j'ai Corbuldo. Parce que la piste là-haut, bon, au bout d'un moment, ça commence un peu à me titiller un peu l'anus, quoi. J'aurais pu avoir un Abo. Abo, c'est plus fort que Miaouss. Hein. C'est moi de dire ça, les gars, mais bon. Non, parce que Miaouss, en fait, le problème, c'est que c'est certes, c'est marrant, c'est emblématique, Miaouss, avec Pokémon, le dessin animé, qui Miaouss qui parlait avec Jesse et James. C'est trop stylé, les gars. C'était vachement bien, Miaouss. Voilà pourquoi c'est un emblème de Pokémon avec Pikachu. Hein. Le problème, c'est qu'en fait, dans Pokémon, ils l'ont fait de type nul à chier. C'est-à-dire, il n'a pas de très très bonne capacité. Et aussi, il n'a pas une très très bonne attaque. Il est vraiment très faible partout. Même limite quand il évolue en persian, je sais pas, je trouve vraiment pas très fort. Donc c'est dommage quand même de faire un Pokémon si emblématique dans le dessin animé et au final d'avoir un Pokémon de merde dans le jeu, quoi. Bon, la vie est ainsi faite, hein. C'est comme ça, on n'y peut rien, quoi. Ah, morsure, comme prévu, le petit morsure qui apparaît, on va faire à la place de charge, ou alors repli. Pour enlever écume, mais écume, j'enlèverai à la place de Buldo, je pense. Repli, je le fais jamais. Les gars, je rush parce que tout simplement parce que on va essayer de pas de le finir le plus vite possible non plus, mais d'aller assez vite parce que j'ai un pote qui m'a filé un lien pour un jeu Pokémon craqué en mode Nuzlocke, le Pokémon Emerald en mode Nuzlocke. Ça peut être super sympa à jouer, que j'ai jamais fait de ma vie un mode Nuzlocke, donc. Pourquoi pas tenter notre chance avec ça? J'y sais, on a le temps, hein. On a le temps, mais c'est pour ça que du coup j'accélère les combats. Plus de tornade! J'avais oublié que ça. C'est très résistant, Ramolo. Ramolo. J'avais oublié que Roukoup ça pue la merde aussi. Hein? J'ai beau le dire, hein. J'ai beau dire à tout le monde, Roukoup ça pue la merde. Personne m'écoute. Allez voir, un jour vous comprendrez pourquoi je dis ça. Allez voir. S'il est avec nous dans la game, pendant tout le long du SP, vous allez voir pourquoi il pue la merde. Vous allez voir. Je vais vous le dire, moi. Je vais vous le dire, moi. Je vais vous le dire. Le vendeur, dolé. Je vais vous le dire, moi. Merde, putain. Voyez. Ça, c'est du rush comme je les aime, les gars. Cyclone! Il est marrant, lui, hein! Voilà pourquoi ça pue la mort! Cyclone, les gars! C'est nul à chier, Cyclone, hein!
Voilà, ça c'est un rush comme je les aime. Donc ça c'est Léo pour dire hey, je me transformer en Pokémon mais j'arrive pas à faire au sens inverse, du coup va accéder le PC, ça t'aime ta mère. Génial. Oui du coup voilà. Et nous file le passe bateau pour Carmin-sur-Mer qui est la prochaine, la ville en dessous Azuria, où c'est l'arène électrique. Autant vous dire que là. Oui l'arène électrique, hein, Carmin-sur-Mer. L'arène électrique, avec un Pokémon haut, un Pokémon vol et un Miaous. Je vous raconte pas la galère, hein. On va vraiment se taper des barres. Parce que honnêtement, je pense que là en fait on gagnera jamais. Non je déconne pas. Je vois pas comment on peut gagner. J'ai beau chercher plein de choses dans la tête. Je vois pas comment on peut gagner avec un Miaous. On peut pas. Miaous face à Raichu. Miaous face à Magnéti ou à je sais pas quoi. Bah il fait rien Miaous. Ça pue la mort ce Pokémon hein les gars. Alors que Rattata ça aurait pu avoir sa chance. Voilà du coup les gars, on part sur Miaous. C'est bon c'est ouvert. Oui alors lui il file tunnel. Quoi? C'est elle? Oh. Ah ça a changé hein le jeu les gars. Ah c'est lui tunnel. D'abord je le tue. Voilà, tunnel. Merci. Je veux à tout... Waouh. Je veux à tout prix Miaous. Et après, on va se calmer un peu sur le jeu. Là, je m'excuse hein, pour le fait d'être rapide. Mais je veux Miaous à tout prix. Alors par contre, le problème, c'est que j'ai pas fait gaffe à son taux de pourcentage. Je sais pas si on peut l'avoir... D'accord. Énorme. 12. C'est de la grosse merde, hein. On va voir si je peux l'avoir plus HL. On peut l'avoir niveau 13. Peut-être 15 limite. Énorme. Bah du coup là j'ai l'impression qu'on peut le voir que soit 10 soit 12. Donc on va prendre à 12. Par contre je vais le tuer là non? Critique, bah bien sûr. Comme quoi, il est assez rare à avoir hein, le Miaous, les gars. C'est le plus rare d'entre ceux qui apparaissent là. Alors que pourtant, c'est le plus nul. Tu vois, c'est le plus rare, mais c'est le plus nul. Ça, c'est beau quand même. C'est sûr que là, avec un Miaous, on dira pas en titre de vidéo Miaous MVP. Hein. Ça, c'est les gars, je vous le dis direct. Il y aura pas de ça avec moi. Là, peut-être que là, sans le critique, il meurt pas. Morsure, faut pas oublier que ça a pas de dégâts. Morsure, c'est fort en vrai, hein, mais ça a pas de dégâts. Donc finalement, là, il y a une pension. Ce qu'on peut faire, les gars, c'est la technique du bon vieux fils de pute, comme on appelle dans le milieu de game. C'est-à-dire. Donnez le Miaous. Donc on va d'abord enlever Rattata. Merde. Adieu Rattata. T'es vachement fort mais bon. Le public a décidé d'avoir à la place un Miaous. Qui est ce qui paraît meilleur. Ramassage. Super. Et ramassage c'est vachement fort. J'ai pas jackpot. Jackpot. Regardez-moi ses stats. Ah et une bonne vitesse hein. Et puis il a beaucoup d'expérience non? Après on peut tenter d'avoir un Miaous qui a un talent autre que ramassage. Je sais plus ce que c'est notre talent, mais c'est beaucoup plus fort que ramassage, hein. Excusez-moi de vous dire ça, mais on peut tenter. De toute façon cette vidéo est de la merde. On va tenter d'avoir un Miaous avec l'autre chose que ramassage, mais malheureusement faut savoir que c'est beaucoup plus rare. Les gars, mais putain, du coup, non,
Juré, on va bouffer toutes les Pokéballs, hein. Ça, les gars, c'est un bon let's play. Vous voyez, c'est ça que moi je veux voir dans les let's play Pokémon. C'est un mec qui s'en bat les couilles de vous. C'est-à-dire, ce qui compte, lui, c'est avoir Meowth. Après, les abonnés, on se bat les couilles, hein. Ceux qui m'a de la vidéo, on s'en fout complètement. Ce qui compte, c'est d'avoir ce qu'on veut. Ah, et puis je level up en plus, fait chier. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi je le tue? Ah ouais, bah maintenant, je suis trop HL. Peut-être que si je prends Carabaf avec Écume, il y a moyen que du coup... Eh, ils ont déjà ramassé des trucs, hein. Objet, prendre. Une BP chat, super, avec ça. Une défraise. Eh merde. Super. Niveau 16! Oh, la belle prise. Et lui c'est le bon, lui, on voit Diak, lui c'est le bon. Je vous l'ai dit, hein. On attend les Pokéballs, hein. Ce qui compte pour le youtubeur, c'est d'avoir son plaisir à lui. Vous, je m'en fous, je pas les couilles. Parce qu'après le pire arrive. Le pire arrive, comme je l'ai dit, après on passe à la pension, envoyer le Meowth pour l'XP. Et vu qu'on peut accélérer le jeu, forcément, eh bien, voilà quoi. Il y aura un moment où on va se faire chier, on va marcher comme des connards dans la rue, en mode accéléré, pour tout simplement avoir Meowth plus HL. Et on n'a pas de vélo en plus, donc c'est dommage. Avec un vélo, ça va peut-être plus vite, mais vu qu'on est en mode accéléré, pourquoi pas. On le montera niveau 20, je pense, à tout casser. Puis après, on ira tenter l'arène, quoi. Voilà. Alors j'espère qu'avec tout ce qu'on a capturé, on aura quand même, les gars, avec un Meowth avec l'autre talent. Après, ça se peut qu'en fait, je ne peux pas avoir l'autre talent avec Meowth. On sait pas. Moi, je dis ça comme ça, mais j'en sais rien, en fait. J'ai beau être matinal. Ok, bon, il est pas là, donc on prend celui qui est niveau 16. Ah, il y a une pépite, le gars. Merci, Meowth, tu es vachement fort. Give me that, man. Merde. Est-ce qu'il y a jackpot? Jackpot? Oh, du coup. On l'envoie à la pension, on le up, merde. On le up. Voilà. Et là, les gars, on fait ça. Voilà, on fait ça et on s'emmerde pendant, je pense... Là, actuellement, dans mon chronomètre, j'ai 12 minutes 30, 34, sachant que j'ai commencé un peu à la bourre. Les gars, j'ai juré. Jusqu'à mon chrono, quand il sera 14 minutes, j'arrêterai. Je suis à 12:45. Voilà quoi, sinon, la vie est belle. Y a pas de souci là-dessus. Mais c'est comme ça qu'on va tryhard, les gars. On doit tryhard, sinon on gagnera pas l'arène, hein. Non, non. Carabaf. Ah si! Les gars! J'ai Carabaf avec morsure! Attaque ténèbres! Face à Staros qui est psy et haut, il prend la masse. Oh là 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 là! Après, Staros peut me foutre sévère avec une attaque psy. Donc, ouais, ça va être compliqué par contre. C'est assez compliqué, mais je peux lui foutre sévère. Je peux sprinter, c'est vrai. Ah bah oui. Alors mourrez des yeux. Parce que moi je suis en mode petit écran. En petit écran, personnellement, ça me nique pas les yeux. Mais j'ai vu après sur YouTube comment ça rendait sur la chaîne, enfin sur en vidéo. Quand t'es en vidéo plein écran, c'est pixelisé à mort. Et je m'excuse, hein, mais bon, c'est comme ça, c'est émulateur de GBA. Je n'y peux rien.
J'aurais aimé rétrécir l'écran de la diffusion, mais le problème c'est que si je fais ça, ça sera encore plus moche. Il est 14 chez moi. Il est 14, on va voir un peu... Merde. J'ai fait exprès les gars. Il y a eu 5 niveaux, il est 21. Il est 21, bon ok, écoute, c'est ce qu'on veut. Donc voilà. Et il a eu d'avoir une capacité en plus, j'imagine. Un petit jackpot. Jackpot. Jackpot, cette capacité qui est marrante parce qu'en vrai, ça a pas de dégâts, hein, c'est la grosse merde. Mais à la fin du combat, on aura un petit peu plus de gold. Pourquoi pas, hein. Alors, ce qu'on va faire du coup, là, on va commencer l'arène haut. Bah du coup on a pas le choix, Miaou c'est vraiment le Pokémon le plus faible. Donc on va l'envoyer direct. On va l'envoyer direct en première ligne. Pour se faire le plus d'XP possible quand même. Les gars, arène, je n'accélère pas les combats. Les combats sont pas accélérés à part là le début. Les couilles, ouais super, ouais, génial. J'ai l'avantage du niveau, hein, parce que mine de rien, j'avais que 3 Pokémon dans ma team. Donc, vu qu'avec que 3 Pokémon à XP, c'est pas très long. Mine de rien. Alors que si j'en avais eu 6, ça aurait été beaucoup plus long, j'aurais eu mes Pokémon level 16, 15, limite. Là, du coup, on a l'avantage. On fout un petit jackpot. Et... Ouais, bon, ouais, ça, et quand même, pour avoir 5 niveaux de plus, quand même, c'est pur du cul. Par contre, Brouillard, ça... ça, j'aime pas trop. Je suis tellement jamais habitué à jouer Miaouss et Jackpot que je sais pas si le fait de refaire Jackpot putain, plusieurs fois me fera gagner plus de gold. Mais je pars sur une morsure si je peux le l'apurer. Super, oh merde j'ai accéléré, excuse-moi c'est un tic. Super. Oh les bons dégâts hein, de Miaouss hein. Et je me fais mentir les gars, je me fais mentir, je suis sûr en vrai c'est fort et mais vu que je suis un fils d'up, je suis pas au courant. Mais attends, je veux dire oui putain. Parce que là je suis trop apeuré en fait. En plus c'est un Pokémon qui a trop de défense. Mais putain je vais voir ça. Je confonds les touches. Il a trop de défense normale. Ah oui d'accord. Je crois que ça a beaucoup de défense normale, ouais, donc on va voyer sur un Pokémon qui a une capacité, enfin des attaques attaques spéciales, donc un petit recoups. Et tornade. Ou alors je me plante complètement. Oh oui d'accord le critique. Ah ça commence un petit peu à parler en termes de level là. Oh putain heureusement. Je peux l'apurer à tout moment. Je peux l'apurer à tout moment. Je peux le tuer maintenant. Eh bien vous MVP en fait hein. En même temps, j'ai beaucoup de level de plus aussi, quand même, mais... En vrai, c'est vachement bien, Miaouss. Merci, les mecs. Pour tous ceux qui ont voulu me troll, vous me connaissez pas, les gars. Vous me connaissez pas. Moi, si dans Pokémon, si je dois tryhard, j'y vais à fond, hein. Je fais pas ça qu'à moitié, moi. Au début, il va envoyer pas son Staros. Donc on va envoyer Rookups. Parce que Miaouss, après, ça a morsure. Oh, j'ai un truc là à prendre. Une baie fraise. Alors ce qu'on va faire, c'est je vais enregistrer... là. Et je vais aussi enregistrer la souris. Alors, voilà.
Ah oui, d'accord, elle a Starry et Staros. Alors Starry, c'est très rapide, ça a beaucoup d'attaques spéciales, mais c'est faible art en termes de défense et PV. Donc ce qu'on peut faire, c'est tenter en fait tout le temps de faire des vives attaques. Pour avoir une chance de tuer avant... Ouais, carrément, ouais. Ah, si je suis confus, mon gars, je suis deg. Voilà. Donc Staros, on va changer et on envoie... Non, 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 on change pas. On change pas. Groucoups, je tue pas Staros avec Groucoups. Je pense pas. Par contre, on peut tenter un jet de sable. Oula, attends, non, non, si, si, je suis mort. Ah, ah là 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 là. Ok, bon. Eh, c'est déjà un jet de sable qui passe. Suivi de peut-être une vive attaque, peut-être. C'est un non négatif, en tout cas. Hein. Génial. Ok, bon, il est sous l'influence d'un petit jet de sable. Donc on envoie morsure avec Miaouss. Mais bon, là, je vais me faire OS, je pense. Ou alors, 3 quarts life. Ouais, morsure. Ouais, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Mais le problème, c'est que là, du coup, je peux mourir. Il pousse sa potion à tout moment. Ah, dommage, j'aurais aimé qu'il loupe son attaque. Du coup, j'ai gagné, non? Non. Moi qui faisais des cauchemars les soirs en me disant avec la team que j'ai, j'arriverai jamais à les buter avec un Miaouss, je pourrais jamais. Mec, je m'excuse pour tous ceux à qui j'ai dit que Miaouss c'était puant. Finalement, c'est très marrant à jouer. Je dis pas que c'est fort, mais c'est marrant à jouer. On se calme, hein. Je sais plus quand on peut avoir le vélo. Ouais, d'accord, c'est ça. Mais c'est le mec qui casse les couilles à dire oh, il fait chaud ici, je crève de soif, donnez-moi du thé. Ah! Alors, elle a fait des échanges, je crois. Ouais, un hydrant mâle contre un hydrant femelle, nique ta race. Alors, là par contre, mon Karabaf, il faut que je pex parce que à l'arène, il va servir strictement à rien. Après, il faut savoir que j'ai le bateau à faire avant d'aller à l'arène parce que c'est là où on a coupe pour accéder à l'arène. J'ai aussi la zone de droite où je peux avoir des je peux avoir un topiqueur aussi pour niquer l'arène Elec. Mais pas trop faire ça, je pense pas. Ah non, lui par contre, il a un insecte. Avec un insecte, je pars sur un petit Roucoups. Demi-fa. Voilà. 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 Ensuite, eux. Eux, c'est pas un sexe, je crois pas. Il y en a un qui a un but bizarre d'après mes souvenirs. Je sais pas pourquoi je dis ça. Mais... Ah oui, mais du coup, pourquoi Karlaf? Bob, ce choix un con. D'accord, non, pas du tout. La trouille, t'es déçu. Oh, le KG éclair qui fait tellement chier de... Ah, je rush! De toute façon, c'est ce qu'il faut faire, faut rush. Et Miaouss on fire les gars.
Vous avez rêvé venir, hein. Vous avez rêvé venir, mais je peux vous dire que moi j'ai vu, hein. J'ai vu arriver à 10 000 mètres ce 2 HP là. Voilà. Le help donne multi-ex ou un truc comme ça, je crois. Non, le cherche VS, c'est en gros. C'est, je crois que c'est ça, si je veux réaffronter des essors que j'ai déjà affronté auparavant, je peux. Ou alors je confonds le truc, quoi. Enfin, je suis con, elle le dit. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. C'est, hein, tu peux réaffronter des dresseurs. Ah, la canne à pêche ? Merde. Eux, ils servent à rien. Et artichaut, hein, la plus grosse douille du siècle. On pensait que c'était fort car artichaut, alors qu'au final, dès qu'on l'a eu en échange de Pavec, on s'est rendu compte qu'en fait c'était puant du fion. J'espère que vous n'avez pas pris car artichaut quand même. C'est pire que Recool là à ce point là. J'espère que vous kiffez en tout cas ce bon son de la musique qui est en speed. Ah, c'est vraiment énorme. Je vais à droite pex mes Pokémon. Ou alors je garde cette... il est, là je suis à 25-26 minutes de vidéo. Le bateau à bois de speed. Speed. Le bateau à bois de speed. Comment ça peut se passer Ça peut se passer de type... voilà quoi. Je vous demanderai les gars pour la prochaine fois quel Pokémon prendre ici dans cette zone là. Donc j'irai voir sur le net qui je peux avoir. Je crois que je peux avoir un Soporifique, un Abo, un truc, je sais plus pourquoi. Ce sera à vous de me dire quoi prendre. Mais là je vais affronter les dresseurs pour mon Pex pour le bateau et pour l'arène. Parce que là l'arène les gars je vais prendre la max. Hein. Il est 21. Ah ouais d'accord. Ah oui d'accord. Merde! C'est le rush des familles! Sauce. C'est du jamais vu, les gars, sur YouTube. Un rush aussi beau. Ça, jamais vu, les mecs. Non! Mais pourquoi je vois... pourquoi je fais ça? On sait pas, on sait pas. C'est un fail, on sait pas. Pourquoi... Mais oui, pourquoi je fais ça aussi? Mais j'ai... j'ai rien pour couteau... Ah, d'accord. Heureusement qu'il spam pas éclair quoi, heureusement que les bots sont nuls dans le jeu hein. Mon dieu, n'importe quoi le machin, le bordel. À tout moment... Ah faut savoir qu'il y a le rival à battre dans le bateau. Je pense qu'on va s'arrêter là après pour la vidéo. Une fois le rival... Ah non en fait on va niquer le bateau en fait, je suis con. Oh j'adore ce Pokémon. J'adore Tartar, enfin j'adore de base le Titar. Titar, Tartar, j'adore, je sais pas pourquoi, j'adore. Je kiffe ce Pokémon. Mais ce qui me faisait chier, c'est que je kiffais ce Pokémon et pourtant je le voyais jamais. J'arrivais jamais à l'avoir. Parce qu'il était très rare, mine de rien.
déconne pas. Mais pourquoi je fais ça? On sait pas pourquoi je fais ça, on sait pas, personne ne sait. Oh. Oui d'accord. Il y avait beaucoup de dresseurs ici quand même, hein. C'est assez... Merde, qu'est-ce que je fais? Ah putain! Il reste un dresseur, je crois. Oh, le soporifique, c'est tellement nul. Là, vous me dites, mais... En fait, il aime personne dans Pokémon. Il trouve tout le monde nul. Bah ouais, c'est vrai. Pour moi, tout le monde est nul dans le jeu. Hein. Il n'y a pas un... À part ma soeur Carapute, qui est vraiment le meilleur du monde. Ça restera entre nous, ça. Voilà, super. Du coup, ça c'est fait. On est à 30 minutes de vidéo. Ah ouais, c'est le rival, on va se le faire. Je pense que ça sera tout après. Ouais. Le rival, on sera en combat normal. Vous inquiétez pas, je vais pas accélérer. Il y aura rien de spécial. Là, je fais ça parce que je rush absolument. Là, je gagne là. Attends. Je vais absolument win. J'ai pas que ça à branler dans ce jeu de merde. Oui, d'accord. Ah, il a fait un roman, d'accord. Le mec tryhard. Oh, nice, du heal. C'est nouveau, ça y est pas ça avant, je crois pas. I'm not sure, man. I'll get again, motherfucker. Motherfucker. My jetpack, jack back out. Feinte. Allez, rugissement, ça dégage. J'ai l'impression que plus on fait jackpot, plus on a des golds. Et j'ai quand même gagné 7 sur 20 golds, les gars, avec jackpot. Jackpot, j'arrive pas à dire, vite. Jackpot. Oh, la fille qui est tellement possédée. Hey, motherfucker, you're gonna die, motherfucker. On profite d'avoir jackpot pour... avoir un max de gold en early. Ouais bah oui, double pied forcément, ça me casse le... Rival. Très bien. Il est l'heure. J'ai beaucoup de levels de plus que lui parce que tout simplement, je vous l'ai dit, j'ai que 3 Pokémon. C'est normal, tout est logique, hein, y a pas à s'inquiéter. Là, j'ai pas le choix, je vais faire que des morsures, je pense, pour avoir une chance de la purée. Ah, je... ah bah oui, d'accord, je suis plus rapide que lui, du coup, c'est encore mieux d'avoir... D'accord.
D'accord. Voilà, super. Allez, nique ta race. Rentre chez toi. Je ne peux jamais te revoir. C'est fini entre nous. Entre nous. Mais me faire pétave face à ce Pokémon de merde qui est... Attaque. On envoie un petit carabas pour faire un pistolet à eau parce que je n'ai pas encore Buldo. Je sais même pas si j'aurai Buldo. Oui, niveau 16. Ah ouais, quand même, pour un niveau 16, putain, il n'y a pas de dégâts quand même. Enfin, je vous mets rien. Hein. Vous avez vu un peu les gars pour un niveau 16 à quel point il m'a foutu mal. J'ai 8 niveaux de plus que lui. Je suis quand même carabaf. Hein. Carabaf les gars. Je prends misère. Vas-y. Tout rapide. Ah, tu peux déjà l'oublier. Hein. Ça dégage. Ouais, super. Waouh. Air bizarre. J'ai rien pour coûter. Ah si, j'ai un petit Roucoups. Du coup de tornade. Parce que Roucoups, vu que c'est pas rentable et que ça merde. J'ai que Tornade, j'ai pas encore Cruel ni rien, c'est génial. Énorme. Ça m'énerve, c'est trop long comme animation. C'est beaucoup trop long, c'est chiant. On se fait chier. Moi, je veux de la vitesse. Je veux de la rapidité. Je veux la quintessence du gameplay où on ne suit rien tellement c'est rapide. Kadabra! Il va me faire défoncer par Kadabra là. Non, on va regarder Vegou. C'est là où Kadabra va poser problème. Même si j'ai morsure ou quoi que ce soit. C'est pas ouf quoi. Par contre, il a pas de défense ni de rien du tout. Donc on peut lui foutre de la misère avec V-Attaque. Comme ici d'ailleurs. Ah, dommage. C'est con. Allez, salut. Hein. C'est trop long. Voilà. Merci à toi, ta mère la pute, et voilà, casse-toi. Là, on part prendre coupe avec le monsieur qui est là. Voilà. On a coupe, on est content, tout le monde il est content. Ah, pourquoi j'ai fait ça? Eh ben bonne question. Oh, je suis brûlé, d'accord. J'ai un Pokémon haut brûlé quand même. C'est quand même beau. C'est beau la vie quand même. Je prends des risques, mais je prends des risques, mais totalement débile. Après, vu que Miaou c'est MVP, ils étaient tout le temps là, ils avaient tout le temps la trouille. Oh, ça a beaucoup de défense spéciale, c'est assez ouf en vrai tout ce que ça va. Ah le Ronflex, oui, il faut la poké plus après. On monte pas, ça m'assoit. Ah, si, va monter. Hein. Tant qu'on y est, de toute façon, on va faire tout le bateau au maximum. Et on mettra fin après la vidéo. Il y a des dresseurs, d'accord. Merde, je suis... Ouais, c'est pas grave. Voilà. Là les gars, on va s'arrêter maintenant. On va s'arrêter ici, ça sera à vous de me dire. Je vais aller prendre un Pokémon à côté, un Pokémon poubelle en fait, pour avoir coupe. Je pense que Miaouz peut apprendre coupe, non? Ah non, j'ai Rattata.
ou Ratata. Ratata. Ne vous inquiétez pas. Ah non, pour avoir un petit peu plus de suspense, on va enlever Ratata, parce que sinon je vais devoir l'utiliser et puis après on va me dire tu triches. Apprendre un Miaouz niveau 10 là, un truc de merde là. Et est-ce que je peux apprendre à Ratata à Miaouz? Oui. Voilà. Voilà. Donc on met fin à la vidéo maintenant, ça sera à vous de me dire tout simplement quel Pokémon capturer ici. Pas dans la grotte. Dans la grotte, c'est topiqueur, ça serait beaucoup trop simple. Nous, on veut du suspense, du gameplay. A vous de me dire qui prendre. Il y a quoi? Il y a Abo Soporifique. Abo. Abo. Il y a Abo aussi. Il y a Soporifique. Il y a peut-être... J'aurais peut-être pas dû vous montrer avec. J'aurais peut-être pas dû vous montrer ce Pokémon-là qui est encore plus puant que n'importe quel Pokémon. Je vous prénomme, je vous nomme bien sûr Kafabek, qui est très mauvais, hein, n'est-ce pas? Et sachant que si je prends Kafabek, ça me fera enlever bien sûr mon Roucoups, hein, je vous préviens quand même. Ouais, donc Soporifique, Kafabek, Abo. A vous de jouer, je sens le Soporifique qui va tomber. Pourquoi pas avoir un Pokémon Psy, ça peut toujours être sympa. Le problème c'est que un Pokémon Psy n'a pas masse attaque spéciale. Il a surtout une très bonne défense spéciale, mais à part ça... C'est pas oufissime quoi. C'est pas du tout oufissime. Voilà. Donc, à vous de jouer pour les votes. Je mettrai ça en commentaire et à chaque fois dans la vidéo aussi. Voilà. Abo, Soporifique ou Kafabek. En espérant que ça vous plaît toujours. Faut savoir que là, je rush comme un taré parce que je veux à tout prix.